dernier canon n'a pas perdu de temps pour refaire sa vie après son divorce avec Mariah Carey. En 2017, le célèbre rappeur était papa de deux enfants l'année de sa rupture avec la diva américaine. Mais en près de 5 ans, celui qui est également présentateur télé a accueilli pas moins de 8 enfants, en plus de ses aînés. Monroe est marocain, né en 2011, Nick Cannon a accueilli Golden, né en 2017. Powerful Kean, né en 2020, puis Zillion R, Zion Mix Solidian et ZNS, tous les trois nés en 2021. Ainsi que le gendre Harry Love, né le 25 juillet dernier et Onyx High School, né le 15 septembre. Ainsi que Riz Messia, né le 30 septembre. Une tribu à laquelle devrait prochainement s'ajouter un 11e enfant. Puisque l'artiste a annoncé qu'il attend un bébé avec le mannequin Alyssa Scott. Comme annoncé sur les réseaux sociaux, la grossesse d'Alyssa Scott est un véritable miracle et une bénédiction pour Nick Cannon. La raison? C'est avec cette femme que le rappeur a traversé l'une des plus grandes épreuves de sa vie. Celle de perdre un nouveau-né. Le 5 décembre 2021, la star a fait face à la mort de son fils ZNS. Âgé de 5 mois, d'une tumeur cérébrale. Une triste nouvelle annoncée à la télévision. Dans son émission intitulée The Nick Cannon Show. Je me sens coupable de certaines choses, je suis confus car je suis en deuil. Mais je me devais d'être ici. Si je n'étais pas devant vous aujourd'hui, je serais probablement recroquevillé dans mon lit. Vous me donnez une raison de me lever et de sortir du lit chaque jour, c'était justifié le père de famille meurtri. Aujourd'hui, Nick Cannon reste toujours aussi marqué par cette disparition, mais force est de constater que cette future naissance se révèle très symbolique pour lui.